Bonjour peuple congolais, ngai ndeko na mino Christian Bola Biama, na ye lelo ko laksabino eloko moko toloba yango pe lelo yo ezali koloba ma toujours ezali sujet d'actualité et kozala ka sujet d'actualité tant que tozali toujours ba congolais parce que l'état indépendant du Congo ya roi Léopold II yango ne kesho jo utawana ezali état oyo et kelemaki na ndenge boyebi yango pour to kene musika musika mingi te. Il y avait un roi Léopold II azalaki président ya état indépendant du Congo et puis roi de Belge, alors que constitution belge ezalaki ko permettre te eloko wana esala mabongo puisque constitution belge zo baza na 8 provinces, alors que ye ko joa état moko libanda d'où promet ya ki fo ba solo na kati ya parlement. Discussion avec ma casse na kati kuna ba conservateur na ba libéraux ba yokana kité jusqu'à ce que loi d'habilitation yoko bima oyo et permettre que ba kotisana constitution na bango ba reconnaître, donc ba reconnaître n'est-ce pas état indépendant du Congo comme 9e province ya Belgique. Ça c'est une histoire. Maintenant toke na 60 na 60 boyoga ki conférence ya table ronde ya Bruxelles. Il y a une conférence oyo et prépara ki batou pour na baso la makambo ya mboka pour toke na transition démocratique mais administrative. De fallait moi batou na biso ba kota na kati ya administration coloniale nenge zalaki pour ne préparer biso na makambo bele et puis mibeko bima oyo et bimisa ki loi fondamentale après et comme ça quand loi fondamentale. Et puis, ma partie dans mon mingipe, constitution à Lulabou et s'inspira qui na yango. Voilà, neti date donc constitution à Lulabou, constitution à Congo, première constitution à Congo. Il fait Esalama, donc 4 ans après que toujours indépendance, et ça met 4 ans après. Et comme ça, man à Lulabou, et ça y est, spécialité pour ça, man à Lulabou, ma ville est belle, na 4 discussion pour na. Parti à Bomboko, le Baki Boye, parti à Kamita, le Sengaville Boye, parti à Moussé Sengaï Kalemi, Moussé Sengaï Kokilativil, Moussé Sengaï Boye Boye. Donc, d'où, Moussé Sengaï Léopoldville, d'où, Bayaki a créé consensus pour la Bakende na ville où Bengi Lulabou. Donc, voilà. Pour la Bakende na ville où Bengi Lulabou. Donc, Yangwana, donc, ils très important pour la histoire Wana. Il y a un autre parti Oyo, pour faire couler vidéo. Bomona, Makambu Oyo, tu l'oubaki déjà n'est pas Kouana. Dernièrement, Bandeko Bele, Balobi Lobiango. Et puis, Jean-Pierre, Jean-Claude Mvouema, en tant que politicien actuellement, tu sais pas qui n'a tutide n'aille, puisque, à l'oubi bien que Congo belge, à l'oubi qui n'a base n'aille que Congo belge, et Zali, bah belge, bah ça, gestionnaire, et Zarandé, bah américain. Lelo kwe bekipe le basele mishwa ki toko na paste bobo ya 10 minutes. Na landi yango na s'inspire yango moni na bi non non non. Mga ipe na lubake loko na nous les combattants.com donc tenu par Anderson nande konaye Lamis. Anderson na zara na France ou na Paris na biso. Lamis ya na ye zara na na Italie. Na salabe mishwa kuna basenga ngata en kuta mokote. Donc sa dire to salaki na konti ya mboka ndenge pe toko sa leo na tole be la vie. Basenga ngambongote na malanda TV to lekape basenga ngambongote ali mia mongala les amis de Wetch basenga ngambongote pasteur bobo basenga ngambongote ba chaîne ebele bele to leka basenga ngambongote puisque ezali engagement citoyen donc ya ba congolais ba contribution donc les autres puisque kwebe ki bele papa kwebe ki pele un grand journaliste otoye bia Congo. Lelo azara na Belgique a sa be mission makasi et na sepeli na mission ba utuko sala puisque a zongi sur la problématique et a renouvelé la bonne problématique. La bonne question est senye to se poser puisque dernièrement tout monde qui na Belgique ba Belge na ba Congolais ba solo na histoire ya Congo et que Belgique eza ko assumer responsabilité na bango pour na biso vis-à-vis na Rwanda baza ko s'excuser vis-à-vis na Burundi ba ina position boy. D'où lelo yo pour be ki pele a crevé l'abcès de Balobaka, a bi, question est bien posée. Question est photoyé, Belgique a été gestionnaire, oui, mais si donc, ba créancier bazalaki. Il faut que ba créancier na banani, pour que ba kosolana bango, tolobaka lobaka yango, pour que ba poser ba acte.
même to kende to saisi ba tribunaux pour na makama Congo e bana banani bazayi ki ba gestionnaire belge bien sûr auto bengi le colonisateur mais normalement na gestionnaire ba créancier na ye ba to pese misolo pour na misala kune sala ma banani et to yebi donc na na droit administratif et institution administrative toujours on a professeur Vundwa we nde ayebisa biso ba fondateur ya Congo ba il y a quatre pays fondateurs Belgique, Allemagne, Angleterre na États-Unis d'Amérique. Le lot monde les États-Unis azo les devant. Donc ça dit c'est un problème. Le lot bois que la kibino vidéo ya famille Rothschild ndenge bazali ba grand mania ya monde. Bazali ba américain, bazo contrôlé ba banque nyonso ya monde et que le loyo bango mutu bazali ko simba gouvernance ya monde bazali ba américain et Rothschild aussi azali cité na création interindépendante du Congo bazali ba multimilliardé bazana plus de 500 000 milliards de dollars ou 500 000 millions de dollars ya mbongo na bango. Et puis bazana bazali un peu partout banque suisse bango même il y a Japon za bango banque fédérale soki banque centrale to loba il y a Chine le onde Chine zo mata ezali bango ba mboka nyonso minene minene ezali bango tin États-Unis réserve fédérale ezali toujours na boko ya famille Rothschild donc ça dit Rothschild aussi azali cité na ba document mususu na Congo. Donc azali un des créanciers à Congo. Ba kolo Congo bazali. Ba koko na bango lelo bazali. Mais balinga koyeb sa bisote histoire e bima lelo boye Belgique colonisateur ezali histoire moko dénaturée. Kwe be ki pele alobi yango yango moni intéressé biso problématique ezongi mené à moins avant to ken na indépendance, il y a eu une transition. Transition démocratique et ça mana Congo. Babenga en conférence, il y a table ronde à Bruxelles. Et ça sera un mois, le 20 janvier 60, till le 20 février 60. Et avec qui donc table ronde politique, économique et salamaté. Et que Babenga a 16 résolutions. 16 résolutions, on a donc décision. Il y a un salaire qui est, couleur quand on sous forme, il y a loi, on a eu compromis politique, na 60. Donc ba fixé que makamunyos tout élection il y a ba député nationaux do ba congolais ou ba ko accéder na ba institution wana élection à premier ministre na ya président de la république tout elle kuna date ya kobimisa constitution dans les 4 qui s'en suivent à partir à indépendance et ça la pas président Kasavu alanda qui makamona à la lettre élection à président Kasavu ya précédé par élection à premier ministre Lumumba et ça la maki si je m'abuse à Lumumba ça met le 25 donc juin 60 le 25 juin 60 il y a Kasavu le 29 juin 60 indépendance et puis ça met le 30 juin donc bah date on a tout contrôlé moi encore tout avec beaucoup de réserves mais je pense il y a moi mais ça la maki avant le 30 juin et avec Bilo qui consigné dans 16 résolutions il y a table ronde compromis global où on est parti sociologique il y a ben institution politique puisque parti juridique et sont ming na 60 en tant que juriste donc on est ba recherche mususu to bimise bino yango le lotos zonga biloko parce que na ba résolution na ba tikala jamais koloba na ba condition ezalaki pona ko annexer état indépendant du Congo na Congo belge suite à l'exaction et ça mais ba kate ba maboko etc. Nicolas Kaoutchou le ezali équivalent ya génocide puisque moi génocide na tangwa ezalaki été donc to songi na histoire pourquoi parce que problématique na biso ezali wana to kangama mutambo ezwa biso place wana donc il faut to zonge la masolo wana ya ngwana sikoyo ngai déjà na 2012 le 18 novembre 2012 sobo beti bokomona les trois états en un seul na nous les combattants sobo beti ezali ko daté la 18 novembre 2012 bokomona na parlant na ngweza na deux volets o eza premier parti donc premier volet donc na loba yango donc ba konzina biso ba kenaki wana ba représenter à Congo ba kenaki na conférence à table ronde ba parla ki ba juis 16 résolutions mais ba tikale kolo ba jamais na domaine de la couronne à un moment donc domaine de la couronne ezalaki concession ya ba domaine ya ba concessionnaire et ki mingi ba parti o ezale yo na ba minéré ezalaki mais biloko wana ba tikale kolo ba yango te donc on a mingi parti économique
y a Congo. Donc, il y a une conférence, il y a table ronde, il y a une politique, mais économique, il y a une politique. Est-ce que la politique est englobée tout? Pourquoi il y a une politique? Ceux qui perdent l'indépendance, la table ronde, ils vont poser une question. Pourquoi il y a une politique qui est de la couronne? Dans la salle vidéo, il y a une question qui est partie de la couronne. Il y a une question. Est-ce que Batuna Biso, Baluba qui m'a commandé pourquoi? Et c'est là où il y a le vrai problème, puisque actionnaire wana bazali, créancier ya Congo lelo bazali, senga ba mbongo wana ndenge nyoso, ba misa biso ba guerre, pour bazo ba mbongo wana na ndenge wana. Et puis, quand bien même que babimisi misi guerre wana comme na tanga pillage, mettant mboke kozonga na normalité nango, ba dirigeant na biso, ba koza toujours devant ce fait ya ko zong sa ba mbongo wana d'une façon ou d'une autre, ou ba ko diktaka bango, pour na ba société na bango eyaka ezoka ba marché. Et ba marché moko na ba bas prix. Donc, ça dit le vrai problème ezali wana, nga na yekoli parti oyo na droit administratif et institut administratif. Il y a professeur Vundwa ou TP Mako, 3e gradué à droit na Unikin, à l'Oba Yango. Donc, Congo a créé na 4 puissances, 4 États, États-Unis d'Amérique, France, Belgique, Angleterre. On a créé ce qu'en théorie, il y a 4 copropriétaires. Maintenant, problème est allé wapi. Tant que commis comme il y a annexion, donc il faut État indépendant du Congo et comme Congo belge. Roi Léopold II a posé une question. A posé qu'il n'y a pas préalable, mais il faut pas rembourser l'équivalent à 50 millions de francs belges. Et professeur Vundwa, il y a un cours qui est bien, 50 millions de francs belges, ce qui n'est pas remboursé à l'époque, donc Belgique, donc le gouvernement belge est tombé en faillite. D'où, vous avez un bon côté, donc vous avez un pécier domaine de la couronne. Domaine de la couronne, donc PC domaine de la couronne. Or, il y a, en 1890, puisque était indépendant du Congo, tout le monde a une histoire de propriété privée, mais au départ, il y a une propriété privée. Et il y a donc libre échange. Et il y a une propriété indépendant du Congo, bien sûr, dans le ligne Salamaki, dans la conférence, dans la table ronde, la conférence de Berlin, pardon, 1885, mais. D'autant qu'il a démarré vraiment le 1er juillet 1885, il a vivi. Donc, c'est-à-dire, était indépendant du Congo. Donc, Ezali, situation Oyo. Donc, Ezali. Ezali, situation Oyo. Ezali, situation Oyo. Et Sengeli, Toye, Penza. Situation Yango, Ezali, Nini. Tant que comment il va couler Yango. En fait, comment rendre en gros au Congo belge après ces conditions là, précédé na ba décret na yé na 1890 tant comme ça qui Congo belge donc tant comme ça Congo belge donc tant comme ça pardon était indépendant du Congo à comme ça quand on nini donc propriété purement privée. Ils allaient différent la propriété privée tant balobaka ils allaient pas justifier parce que on est allé par rapport ya Belgique qui n'était pas propriété privée. Mais si quoi, sur le plan technique, propriété privée, ma, tu veux qu'on ressentir en haut où est bimité en assaillie, décret secret. Décret secret a tini Captain Tiz à Kenekote, à Équateur, côté où on a pour la Makambouya, il y a caoutchouc, puisque le caoutchouc, comme on a dit, dans le monde, dans l'Europe, pour la, donc, bah, véhicule, etc. D'où, bah, qu'est-ce qu'on a dit, bah, qu'on a dit, bah, maboko, bohébi, bah, histoire, wana. Donc, yes, quoi, on crée propriété, propriété privée, na ordonnance secret. Bah, n'y a pas constaté, allure changée, administration changée. Donc, bah, y'a, on bah, benani, bah, tikelier, et loko, wana. Donc, t'en goûte, le banini. A signé qui deux décrets, y'a propriété privée. Et donc, ça dit, n'a qu'à ta propriété privée, a signé qui deux, deux décrets, nous avons en deux micros état créé qui domaine de la couronne où est parti Équateur, dans l'époque on a dit Maïndombe, Équateur actuel Toloba, et puis la partie qui s'engagne. Donc, parti Hollande, domaine de la couronne, Yaye, y a roi Léopold II, il y a parti Ming forestière, Missi Nyama, or richesse, c'est ça qu'on a Yaye. Si Koyo, on a bien domaine de la couronne. Donc, si Koyo, parti Moussouchou a signé décret ba bengo domaine de concessions yaba minéré. Donc apesi ngo chiko ba société
oyo ba équipe on a ba exploiter ba minerai ba société na ye ye mo pas actionnaire na domaine de la couronne ils aient ye et puis la société na ye mo a sou actionnaire na ba tu na ba actionnaire si ko premier za boué tant que comme isko yo annexé na les dans la 1908 à partir le 18 octobre 1908 officiellement Congo est commis annexé commis donc Congo belge toqué na système wana sko yo ye a kufi na 1909. Or, les dynasties, les royaumes, famille famines, les gens qui quitté Nango. Donc, réalité, les alliés qui domaine de la couronne et Koufa quitté. Domaine, il y a des concessions, il y a des minéraux et Koufa quitté. Et continuer qui y a des gens qui ont union minière à Katanga, à Boéboétine, à Kivu, à la société, à la minéraux, à l'or, etc. Tu es ce qu'on a 60 ans, il y a eu ça, il y a eu conférence à table ronde pour être au côté de la Nini. Ba représentant congolais, ba politicien congolais toloba, ba ikipena ba chef coutumier na kati, ba bimisa ki 16 résolutions, ba soyena ba belge 16 résolutions. Mais ba bosana ki na kata 16 résolutions, ba tangi jamais ba parler na domaine de la couronne, jamais ba parler na ba société na ba domaine na ba concessionnaire. O lelo ba minéraux minéraux ali. Aujourd'hui na songa lelo pourquoi puisque aujourd'hui ko be ki pele aza ko parler na ngone émission na passé bobo émission kitoko. Abi, il y a des créanciers. Belgique, il y a qui colonisateur, oui, mais il y a qui gestionnaire. Donc, Jean-Claude Mvoué m'a parlé devant devant Batunaye, donc Baznaye. Mais ba créancier, comment il faut baye tout ba bango. Ba tchèque qui misolopona, ba créer ba usine y a transformation ba diamant, ba usine y a transformation ba or, y a ba exploration ou extraction ba minéraux wana pour ba travailler. Ba tchèque qui mbongo, puisque roi yi na mbongo veut mater. Doit payer ces conditions pour la ACD Bilokoana, va payer 50 millions de dollars. Donc, les Ali Batou, il y a un moment pour fonctionner. À 5 ans qui va emprunt, à 5 ans qui va nyon, à mbongo na ba banque. Du temps où il y a un peu de tolaye, à makambo à salaki, à 5 ans, à payer ces conditions, à ok, Belgique, à kouga été puisque Belgique engeza a été mis en faillite. Va payer ba mabele wana. De ba yokana, il y a 60 tomoni, ba résolution, ces résolutions, ba parlant en ngote. Quoi, qui paye le loi à Zoloba, il faut que ba créancier, ba tout va payer ça qui mbongo. Oyo ba créer Congo. Donc bande ko na biso to ba lo ba ki mabele ya biso mais il faut to za conséquent. Donc ba to ba créer ki Congo. Famille Rochil de Bimaka na Mikanda, azali un des créanciers. Le loyo documentaire ba tinelenga na tinel bino, bazo gérer ba banque nyonso ya mokili. Azala plus de 500 000 milliards de dollars ya bango ya famille wana, ba koko loyo ba kitala, c'est la même famille. Donc ça dit bah créancier comme il faut toyer bango so toyer bango to royer bande ko poursuivre bango devant les tribunaux toyer ba nyongo nini to zarana bango ou to royokana na bango bako za la découverte royer baka bango bako za identifier to ko samba kana bango comment ko samba kana bango à partir on ande to ko comme moi libre à partir on ande moi gouvernance a bien ko bima puisque ko équipe la le bango bien donc gestionnaire ali bosso ezala ki donc roi Léopold II. Deuxième gestionnaire, c'est qui va gouverner la première république, deuxième république, la troisième république, donc mon bout, c'est toujours, tu es sur quoi, AFDL et ISCOYO, basé sur gestionnaire, donc troisième république aussi, gestionnaire, tout tu vois, basé sur gestionnaire, le loyer à Congo, donc il y a un autre, ça dit, belge, américain, batouana, bakolo Congo, bakoko kotia, gestionnaire, bateau, bango, lingi. Ça, c'est une bonne réflexion. Ezali na kela cité. Ezali histoire, tangi si bisoté. Ezali méthode, mon transdisciplinaire. Il faut que ça, décloisonnement, y a savoir, beaucoup de maïele. Y a un club qui peut, ça, y'a l'eau qui tourne à nango. N'a ipé, en tant que moutoupe, on a le bac et l'eau qu'on a, y'a un moment, ça, y'a combiné, oyo. Donc, ça dit, créancier, y'a Congo, bazali. Et c'est tout ça, recherche, ma casse, toi, y'a comme ça, tu auras baka refunda rabango pour na lobito za tranquille et na singi na bino bolanda pe parti oyo ngai na lobaki déjà na sala vidéo na yango bolanda yango avec beaucoup de prudence. Merci, bonne évasion. Donc voilà, normalement nous les Congolais, il fallait que ba belge base à la fière na biso, ba américain base à la fière na biso, ba français base à la fière na biso, ba anglais base à la fière na biso. Américain basa la fière na biso et ba soutenir biso pour na ke et loko ya bango ya mwana kazi et loko ya neveu na bango c'est un bien privé de leur petit-fils, de leur enfant, de leur mwana kazi. Ce bien là doit être protégé, ce bien là ne doit pas être livré, n'est-ce pas, à la merci de toutes les puissances du monde
ou à la merci, n'est-ce pas, d'autres puissances, dont certainement les sociétés transnationales, qui au départ n'étaient pas partie prenante. Ça, on doit se le dire. Donc voilà, qu'est-ce qui n'a pas vraiment collé pour que aujourd'hui nous vivons, n'est-ce pas, la situation catastrophique au pays. Ça, on doit se le justifier. Donc, c'est-à-dire, tout comme dans le Congo belge, avec la loi d'habilitation, donc au Congo, la Busso, Congo belge, et elle est qui 9e province, il y a Belgique, c'est la Belgique d'outre-mer. Les France est là, d'outre-mer, là, en Afrique, un peu partout, donc Belgique, et c'était aussi comme ça. Et le roi n'avait pas abdiqué, bien qu'on l'accusant, n'est-ce pas, d'exaction, des crimes, etc. Aujourd'hui, entre guillemets, crimes contre l'humanité, crimes génocide, etc. Donc le roi n'avait pas abdiqué. Il avait dit ceci, donc petit peuple, petit esprit. Puisque lui, d'abord, il voulait, hein, il avait toujours l'idée un jour de céder son état indépendant du Congo à la Belgique. Mais pas de cette façon. Donc, on l'avait prise au dépourvu. Et maintenant, il exigea, n'est-ce pas, des dommages. Il demanda plutôt à la Belgique des dommages et intérêts colossaux dont la Belgique ne pouvait pas les lui donner. C'était de l'ordre de 50 millions de francs belges de l'époque. Si la Belgique osait, n'est-ce pas, lui dédommager, donc toutes les banques belges allait fermer. Toutes les banques belges allaient fermer, allaient tomber en faillite. D'où qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une négociation noble, je peux dire, entre guillemets. Donc, la Belgique, donc le gouvernement belge, cette fois-là, céda, n'est-ce pas, au roi, un domaine appelé dans l'actuel, enfin, avant 60, la RDC, un domaine nommé, n'est-ce pas, le domaine de la couronne. Le domaine de la couronne, c'était quoi? Une grande superficie au cœur du Congo, c'est-à-dire l'actuel Maïndombe. Vous prenez l'actuel district de la Tchouapa, donc l'actuel district de Maïndombe, l'actuel district de la Tchouapa et un peu Kisangani. Tout cet espace revenait au roi en contrepartie de son état indépendant du Congo. Puisqu'il ne pouvait plus, n'est-ce pas, en être le président, puisqu'il fut le président et roi. Il fut le président de l'état indépendant du Congo et roi des Belges. Donc il avait deux statuts. Donc maintenant, on le déposséda, n'est-ce pas, de son titre, de ses intérêts, de ses activités. En contrepartie, on lui donna cet espace nommé domaine de la couronne. Et maintenant, moi je me demande, en 60, le domaine de la couronne, puisqu'il y avait succession d'États, donc le Congo doit basculer en étant indépendant du Congo. Maintenant, il y a eu des négociations à Bruxelles, nommées table ronde, par deux fois, table ronde politique, table ronde économique. Mais est-ce que, bon, ça c'est une question, est-ce que nos pères de l'indépendance avaient bien négocié cet aspect du domaine de la couronne, puisque le domaine de la couronne revenait au roi, à la famille royale, et non au gouvernement belge. Est-ce que, en 60, nos pères de l'indépendance, je les accuse pas, je les aime beaucoup, donc est-ce que nos pères de l'indépendance avaient bien négocié, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de la théorie de succession d'État, est-ce qu'ils avaient bien, n'est-ce pas, négocié le cas du domaine de la couronne revenant, n'est-ce pas, à la famille royale? Ça, c'est une question fondamentale.